Aujourd'hui, nous vous présentons la séquence préservatif, un outil qui s'adresse à tout type de public. Il s'utilise en groupe ou en individuel, avec un animateur ou sans animateur. Élise va nous faire la présentation. Cet outil est composé de cartes présentant les différentes étapes d'un rapport sexuel. Il existe une version pour le préservatif masculin et une autre pour le préservatif féminin. Pour plus de détails sur les cartes elles-mêmes, vous pouvez vous référer à la fiche de l'outil. Les participants doivent remettre les étapes d'un rapport sexuel dans le bon ordre. C'est un outil qui est vraiment intéressant à faire en groupe. Vous allez voir que même s'ils discutent sur l'ordre des cartes, la séquence produite est pratiquement toujours la même, une sorte de rapport sexuel normé, bien défini. Alors effectivement, certaines cartes doivent avoir un ordre, notamment en ce qui concerne la pose du préservatif en elle-même, d'autres cartes, pas du tout. Pour interroger les participants, n'hésitez pas à faire le naïf, par exemple. Vous avez placé la carte caresse ici au début. Est-ce que ça veut dire qu'après, il n'y en a pas du tout? Il est vraiment intéressant que les participants puissent avoir un regard critique sur leur séquençage. Par exemple, on peut leur dire « c'est marrant, mais 9 fois sur 10, c'est cet ordre-là qui ressort ». D'où ça peut venir selon vous? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait envisager d'autre? N'hésitez pas à leur donner un coup de pouce. Par exemple, l'éjaculation, vous l'avez mise ici. Si jamais, elle arrive juste après l'érection. Qu'est-ce que ça change? On aborde bien sûr les différentes étapes de pose du préservatif. On peut faire un lien direct avec le manège enchanté. On peut aussi parler de l'achat des préservatifs, ça c'est vraiment intéressant avec les plus jeunes. Par exemple, est-ce que c'est facile d'en trouver? Comment on peut se sentir surtout à ce moment-là? Plus largement, on peut parler de la définition d'un rapport sexuel et puis surtout de sa diversité. Est-ce qu'il y a forcément une pénétration? Est-ce qu'il y a forcément du plaisir? Et puis surtout, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on avait prévu et ce qui se passe réellement? On peut du coup aborder la pornographie et l'influence qu'elle peut avoir sur notre vision de l'acte sexuel, sur nos fantasmes, et puis aussi sur l'idée de performance qu'elle véhicule, ce qui nous permet d'aborder les petits imprévus, comme par exemple une éjaculation précoce, ou encore une perte d'érection qui pourrait arriver prématurément. Vous l'avez compris, nos outils servent à ouvrir la discussion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Grâce à vos questions, les participants pourront prendre du recul sur leur pratique.